De Guyane au micro de Bertrand Villeneuve. De valorisation du foncier, on en parle justement avec notre invité, puisque cette chercheur cubain dans le domaine agricole arrive en Guyane ce lundi dans le cadre du projet de coopération du réseau d'enseignement de l'agroécologie dans la Caraïbe. Au programme de leur séjour d'une quinzaine de jours, des ateliers pour apprendre à produire autrement ou encore des visites de terrain. Pour en parler, nous sommes en direct avec Frédéric Loumeto-Ipolo. Elle est animatrice du réseau Caraïbe. Bonjour Madame Ipolo. Bonjour Madame. Alors agroécologie, un terme selon vous maîtrisé par tous. En quelques mots, à quoi fait-on appel quand on parle de cette pratique? Vraiment, ce sont des pratiques. L'agroécologie va respecter les écosystèmes naturels tout en intégrant en fait une dimension économique et sociale et politique de la vie humaine. C'est-à-dire qu'on va essayer d'associer préservation de l'environnement, revenus économiques et vie de tous les jours, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on retourne aux bonnes vieilles pratiques qu'on avait dans les abattis d'antan? Alors, peut-être pas forcément le brûler. Oui, puisqu'il est contesté. Effectivement. Oui, oui. Mais effectivement, les Amérindiens, par exemple, ont d'autres techniques. Il y a des techniques que nous avons ici en Guyane, il y a des techniques que les autres ont dans d'autres pays, que les parents, les gangans, mettaient en pratique tous les jours. Donc je pense quelque part, effectivement, que l'agroécologie essaie de retourner à quelque chose de plus naturel. Alors, pour aller dans le détail tout à l'heure, on reviendra sur cette question précise. Pourquoi cet chercheur exclusivement cubain? Alors, cela veut-il dire, voilà, pour ce programme, que l'île a su trouver des pratiques qui ont fait leur preuve? C'est connu par rapport à ce qui s'est passé sur l'île, par rapport aux contraintes qu'il y a eu à Cuba. Les chercheurs et les agriculteurs, l'embargo, ont dû développer en fait finalement des techniques qui n'impliquaient pas des intrants. Ils ne pouvaient pas importer. Donc du coup, ils ont dû développer sur place, avec tout ce qui est naturel, des plantes, etc. Ils ont dû développer des techniques pour déparasiter les animaux, pour préserver le parasitisme des plantes. Ils ont dû développer des techniques et ce sont des techniques qu'on va découvrir avec nos agriculteurs ici en Guyane. Alors justement, citez-en-nous des techniques qui n'utilisent pas les intrants. Ce sont justement voilà, l'utilisation des pesticides, hein, des procédés aujourd'hui très décriés, notamment dans nos régions pas si loin, en Martinique, avec la chlordécone, cette molécule. Alors, est-ce qu'il y a un exemple précis qui est utilisé à Cuba et qui est utilisé chez nous? Qui va être utilisé chez nous. Par exemple, quand on utilise, je vais désherber quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? La solution, la plupart du temps des agriculteurs, je vais arroser mon champ d'herbicide. Mais il y a une autre technique. On peut simplement mettre en place des plantes couvrantes comme l'arachis pintoï. C'est-à-dire que ça va prendre plus de temps, mais au moins ça va préserver à la fois l'environnement, ça va préserver l'érosion et surtout ça va préserver les sols. Parce que du coup, on va pas polluer les sols, on va au contraire enrichir le sol parce que cette plante est riche en protéines par exemple. Et ça va permettre en même temps de nourrir nos animaux. Merci en tout cas Madame Frédéric Loumeto-Ipolo d'avoir été avec nous pour comprendre un peu mieux ce que vont faire ces sept chercheurs cubains qui ont la spécialité de travailler sur l'agroécologie en Guyane justement pour participer à tout un programme d'une quinzaine de jours. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, au revoir.